الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم يا ربي صلِّ وسلِّم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم يا ربي صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يا ربي لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. معاشر المسلمين، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإن خير ما يوصي به المسلم أخاه المسلم تقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أما بعد، معاشر المسلمين، ها نحن في شهر شعبان، مضى شهر رجب وجاء شهر شعبان، وبعد شعبان سيأتي رمضان إن شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبلغنا إلى رمضان وأن يجعلنا من صائميه يا رب العالمين. وهي من الأشهر الحرم كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. On est dans le mois de Chaban, bientôt c'est le mois de Ramadan. On a vécu Rajab aussi. Ce verset lui-même, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. C'est un verset qui traduit un miracle. Et quand Allah a décrit que l'année contient 12 mois, quel mois ? 12 mois. Avec le soleil, on ne peut pas déterminer le nombre de mois par an. On ne peut pas. C'est avec la lune qu'on détermine les 12 mois. Fi kitab Allah. Avant, les gens ne savaient pas. Mais avant la création même, Allah a bien défini le jour quand Allah a décidé que Il va créer le ciel et la terre. Oui, c'est à ce moment-là. Il a bien fait. Il a installé le soleil dans un sens, la lune dans un sens, chacun dans son orbite, et que la lune va déterminer les 12 mois. Subhanallah. L'être humain ne savait pas ça avant. Mais ربي قال لنا راه انا مش نخلق لكم الكون je veux créer l'univers d'une manière et d'un système et d'une manière d'une façon à établir 12 mois dans l'année. Le nombre des mois pour Dieu est 12 dans le livre que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'était le jour où il a créé les cieux et la terre. Parmi eux, il y a 4 mois qui sont sacrés: Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram et Rajab. Telle est la religion dans toute sa rectitude. Ne portez aucun tort à vous-même. Et là, qu'Allah tazlimu fihinna anfusakum. Et là, on va le voir. كل الشهور عند الله سبحانه وتعالى كلها سواء كلها من عند الله كلها دورات فلكية. Donc tous les mois sont pareils aux yeux d'Allah Azza wa Jal parce qu'ils sont à l'origine d'une révolution permanente de la Lune autour de son orbite. يظن بعض الناس, je ne sais pas d'où ça vient certainement de l'ignorance. بعض الناس يظنون ويقولون رجب شهر الله. في حديث ضعيف, dans un hadith qui est faible, رجب شهر الله وشعبان شهري. Il parle du prophète, c'est le mois du prophète. شعبان, رجب, le mois de Dieu. شعبان, c'est le mois du prophète. قال ورمضان شهر أمتي. Tout ça, c'est pas vrai, cher frère. كل الشهور عند الله كيف كيف. كل. هذا الحديث ليس صحيح ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل كل الشهور هي كلها للأمة وكلها لله, وشهر وكل شهر وشهر للأمة لمن ينتفع به. Tous les mois,
C'est Allah qui les a engendrés, certainement. C'est Allah qui les a créés, sûrement. Mais il y a certains mois, comme le mois de Ramadan, il y a 4 mois sacrés où il y a des raisons. Allah il choisit ce qu'il veut, effectivement. هذا حديث ضعيف ومنكر بل قال كثير من العلماء انه موضوع c'est un hadith qui on peut pas en tenir compte وذكره ابن الجوزي ايضا في الموضوعات بطرق عديده وكذا الحافظ ابن حجر beaucoup de savants ont cité que ça c'est pas un hadith authentique. Je vous ai dit dans le mois de Rajab, mois passé, il y a cet événement de l'Isra wal Mi'raj, le voyage nocturne, comme je vous ai parlé. Dans ce mois-ci, le 15 de ce mois, il y a un autre événement qu'a vécu le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, c'est Tahwil al-Qibla, le changement de l'Qibla. Donc on veut en parler de cet événement-là, et nous voulons savoir, chers frères, le pourquoi derrière tout ça. Pourquoi Allah a voulu éprouver les musulmans avec l'Isra wal Mi'raj dans le mois de Rajab et dans le, justement, le changement de l'Qibla effectivement dans le mois de Sha'ban. Tahwil al-Qibla min al-Bayt al-Maqdis ila al-Ka'bah. Alors c'était quoi Tahwil al-Qibla? Certainement parmi vous, ceux qui ont fait le Hajj, ils font la visite quand ils vont à Médine de Masjid dhul Qiblatayn. Il y a une mosquée à Médine où on trouve deux Qibla. C'est vrai. Subhanallah. Qibla dans le sens et l'autre opposé, derrière. Alors, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, était à la Mecque, كانت الصلاة إلى المسجد الأقصى. On se dirige dans la prière dans la, vers la mosquée sacrée, vers la mosquée de Jérusalem. كل الأنبياء وكل الأنبياء قبل رسول الله كانوا أيضا قبلتهم المسجد الأقصى وحتى عندما كان رسول الله في مكة المكرمة كان يصلي إلى المسجد الأقصى quand il était à la Mecque il faisait la prière direction الكعبة mais en réalité il fait la direction de المسجد الأقصى alors imaginez comment. Vous savez, هذا الركن اليماني وهذه الكعبة. Ça, c'est le côté. Le prophète, il se oriente comme ça. Donc, الكعبة قدامه, la Kaaba devant lui, et Masjid al-Aqsa devant lui aussi. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait à la Mecque, il s'adresse vers le nord, Shamal, vers le nord. Et dans cette direction-là, Al-Ka'ba et le Masjid al-Aqsa sont alignés. Donc, ils se dirigent vers Al-Ka'ba, mais en même temps, ils se dirigent vers le Masjid al-Aqsa. Quand il est parti faire l'émigration à Médine, ça a changé. Donc, il va vers le nord, il continue à Médine à faire salat vers la direction de Masjid al-Aqsa, mais Al-Ka'ba est derrière lui. Il se sentait mal à l'aise, Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Il aime bien voir le Qibla, comme d'habitude, mettre le Ka'ba devant lui. Et ça, ça lui tient à cœur. ولكن sallallahu alayhi wa sallam, عندما وصل إلى المدينة تعذر عليه ذلك. Là, c'est plus possible de mettre le Ka'ba devant lui parce qu'il se dirige vers le Masjid al-Aqsa, en Palestine. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى من قلبه أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. Le prophète souhaitait, espérait, se diriger vers Al-Ka'ba que Ibrahim et son fils l'ont édifié. الذي رفعه إبراهيم وابنه إسماعيل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو وارث ملة إبراهيم. ومتبعها فقال المولى عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة أو محمد normalement tu dois suivre les grandes lignes de Ibrahim عليه السلام puis
nous t'avons inspiré, suis la religion d'Abraham, le pur monothéiste, et ce n'était guère et jamais été un associateur, Ibrahim. Ibrahim n'a jamais associé avec Dieu, avec Allah Azza wa Jal, autre divinité que lui. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ذلك وينتظر الوحي الله البروفيت عليه الصلاه والسلام سوتي اسبيري recevoir l'ange Gabriel pour faire une information sur ce point. كان ينتظر الوحي وينظر الى السماء. Il regardait le ciel tantôt par là tantôt par là. Il dit rien. Allah, il comprend son cœur. Il sait qu'est-ce qu'il cherche. Il sait qu'est-ce qu'il souhaite. Il sait que son prophète, qu'est-ce qu'il veut. Oui, effectivement, il n'a jamais prononcé un mot par politesse envers son Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala lahu ma ahabba wa radhi. Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, فقال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. يا محمد, je suis au courant, je vois qu'est-ce que tu es en train de faire. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Je veux répondre favorablement. Il disait, Allah, il nous arrive de te voir tourner le visage vers le ciel, tantôt dans une direction, tantôt vers une autre. Et aussi, allons-nous te mettre sur une direction de prière qui te satisfera. Je veux te satisfaire de ce vœu, de ce que tu as dans ton cœur, mais tu n'as pas osé le dire. Allah subhanahu wa ta'ala, انظروا الى هذا الحب الكبير. الله كمين الام للبروفيت محمد عليه الصلاه والسلام, حقق له ما يرضاه في الدنيا ووعد ما اعطاه ان يرضاه ايضا في الاخره. Regardez ce verset que tout le monde le connaît, في سوره الضحى, قال له ربه عز وجل ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولا سوف يعطيك ربك فترضى. Et effectivement, ton Seigneur te donnera sûrement de quoi te satisfaire. Et c'est pour ça, dans la prière, on trouve un midi, il a changé de direction pour se rendre vers la Mecque, vers le Kaaba. C'est pour ça que cette mosquée s'appelle Dhul Qiblatayn, la mosquée à deux Qiblas. Effectivement. Faqala al-Mawla Azza wa Jal, en répondant favorablement à ses voeux, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Effectivement, le verset a été révélé. L'ange Gabriel a répondu par la permission d'Allah Azza wa Jal favorablement. Alors, reviens à ta première Qibla, c'était le Kaaba. Aussi, allons-nous te mettre sur une direction de prière qui te satisfera. Tourne la face vers la mosquée sacrée, le Kaaba. Et là, vous vous trouviez tourné tous la face vers elle. Ceux qui ont reçu le Livre Saint, tous ceux qui ont reçu le Livre Saint, y compris les Juifs et les Chrétiens, savent très bien, savent d'ailleurs bien que c'est là la vérité de leur Seigneur. Et Allah nullement inattentif à ce qu'ils font. Ça aussi, ça va nous interpeller. Pourquoi ? Parce que les musulmans, avant leur prière dans cette direction, maintenant ils ont changé. Alors là, c'est une occasion, une bonne occasion pour les ennemis de l'islam, pour profiter effectivement et créer la zizanie chez les musulmans. وهنا ثارت ضجة كبيرة أثارها اليهود في المدينة أقاموا الدنيا ولم يقعدوها كعادتهم فقالوا إن محمد له كل يوم رأي.
Mohamed, comment ça se fait? Chaque jour, il change d'avis. Quand il salle l'haq ou la salle l'haq. Avant, il faisait la prière dans ce sens, maintenant, il va changer. كيف اتجه الى الكعبه وكان من قبل يتجه الى بيت المقدس comment ça se fait que aujourd'hui il change de qibla il va s'adresser va justement s'orienter vers la kaaba alors qu'avant il fait ça vers le maqdis à jérusalem donc c'est pour secouer la communauté musulmane vous savez très bien que la kaaba elle-même la qibla c'est un symbole d'unité قبلتنا واحدة ربنا واحد رسولنا واحد notre قبلة est unique notre prophète est unique notre religion est unique et là c'est un symbole important que Allah subhanahu wa ta'ala veut nous laisser tous unis القبلة هكا القبلة هكا il n'y a pas un qui va faire comme ça القبلة l'autre fait comme ça faut comme ça dans cette mosquée comme dans toutes les autres mosquées القبلة elle est unique هذه اسمها توحيد القبلة واحدة والله واحد دونك توحيد دو سنو دو التوحيد كي فيان دون سو سونس لا ان كل فقالوا الله سيد تفغي قبلة سي الكعبة توت فو بريير كون فو زافي في سا المسجد الاقصى اني با بون اني با اكسبتي اه اي مينون سي لاكيل اي لا ميور لاكيل اي لا بون لاكيل اي لا فغي فالله سبحانه وتعالى إلى répondu par des versets coraniques نزل القرآن الكريم ويرد على هؤلاء le Coran s'est révélé pour répondre et pour préparer effectivement on va voir après quel est le but de tout ça ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها effectivement ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير vous savez pas que Allah est capable de faire, il choisit la direction qu'il veut, en fin de compte. ثم من ناحية أخرى حملت الآية على هؤلاء الذين ينتهزون أي فرصة. Allah il a répondu aussi pour répondre à ceux qui attendent et qui profitent des occasions pour faire créer la zizanie et la dispersion dans la communauté musulmane. قال الله عز وجل فيهم سيقول السفهاء من الناس. Les a caractérisés comme soufaha. Ou je connais le safih. C'est quoi le soufaha? Le safih, ou le dit la aqla lahu. Le safih, celui qui n'a pas de raison. Il n'est pas crédible quand il parle. Avec le safih. Qala sayakoul le soufaha ou min an nasi ma wallahum an qiblatihim ou lati kanu alayhim. C'est quoi qui les a fait changer de direction de l'Kaaba? Qu'allahu al-mashriq wa al-maghrib. Toutes les directions sont bonnes, mais Allah c'est le seul qui a le droit de choisir la direction qu'il veut pour ses croyants et ses fidèles. Yahdi man yasha' ila sirat al-mustaqim. Ceux des gens qui n'ont ni raison ni crédit diront, c'est le soufaha. Qu'est-ce que donc les a détournés de leur direction de prière sur laquelle ils étaient? Pourquoi ils ont changé? Dis, Allah a demandé au prophète de Muhammad, dis, c'est Allah Azza wa Jal qu'appartient le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers le droit chemin, comme disait Allah Azza wa Jal. Ils ont toutes les directions sont bonnes, mais en fin de compte, Allah a déterminé une direction pour unifier tous les fidèles et tous les croyants. Allah est celui qui choisit et yamour, ou elle fait le jihad et كلها مستوية. Toutes les directions c'est la même chose, mais en fin de compte, il faut choisir une. Et qui va faire ce choix-là? C'est Allah Azza wa Jalla. Pas quelqu'un d'autre, c'est pas Muhammad. Oui. وقال الله عز وجل في نفس السورة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم C'est Allah qui appartient le levant et le couchant dans notre verset. Là où vous, vous tournez là, c'est là la direction d'Allah Azza wa Jal. Allah est effectivement plus sachant que vous, plus déterminant que vous. فالله سبحانه وتعالى من حقه أن يخصص الجهة التي يريدها ويحبها لخلقه عز وجل. Donc Allah, comme je vous ai dit, c'est le seul qui doit déterminer une direction donnée, mais il en faut une.
وقد هدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة إلى أحسن الجهات. Donc si Allah l'a fait de tourner vers le Kaaba, c'est pas pour rien. C'est un grand, grand souvenir avec les prophètes et surtout avec Ibrahim alayhi salam. اختار الله عز وجل أفضل الأماكن. Il a choisi l'endroit le plus beau, le plus juste, le plus véridique. أول بيت للناس ليتجهوا إليه وليحددوا ملة التوحيد ومحاربة الأوثان والأصنام والطواغيت. ومن هنا ذكر الله هذه الأمة بالوسطية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme je vous dis, il est seul à déterminer la direction. Il a choisi le bon endroit. Oui. Et juste après ce verset, Allah il parle de quoi? Il parle d'un verset qui est le milieu de Sourate Al-Baqarah. Juste après ça. ولذلك قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة البقرة 186 verset, c'est le verset numéro 143. Choisir un verset dans une grande sourate, سورة البقرة, c'est pas pour rien. Où il y a tout là-dedans dans cette sourate-là, sourate Al-Baqarah, sourate Ali Imran, c'est vrai, mais dans sourate Al-Baqarah, c'est le milieu. Et ça, c'est pas pour rien, c'est pour faire de la communauté de musulmans, de la communauté de Muhammad, la communauté du juste milieu. Où le juste milieu, c'est la chose la plus cherchée. Khayrul umuri awsatuha, comme disait le proverbe. C'est vrai. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Ce verset nécessite une très grande conférence. Et c'est ainsi que nous fîmes de vous une communauté de juste milieu afin que vous soyez témoins envers les gens. Sans oublier que Muhammad était le meilleur témoin pour vous ou pour l'humanité entière. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Je vous ai parlé, ça fait longtemps, mais je veux le rappeler vite fait. Comment peut-on déterminer le milieu d'une chose? وَسَطُ الشَّيْءٍ. De toute chose. Comment peut-on faire ça? Je vous ai dit, ça fait longtemps, est-ce qu'on peut déterminer le milieu d'une droite? Où sont les professeurs de maths et les élèves? On ne peut pas. On ne peut pas déterminer le milieu d'une droite. Pourquoi? Parce que c'est illimité dans un sens et illimité dans l'autre sens aussi. Est-ce qu'on peut déterminer le milieu d'une demi-droite? Non plus. Mais on peut déterminer le milieu d'un segment de droite. Parce que c'est limité d'un côté et limité de l'autre côté. Voilà le milieu. C'est pas pour rien quand il a dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. وَسَطْ فِي كُلِّ شَيْءٍ. فِي كُلِّ شَيْءٍ. Le milieu dans tout. Et quand j'ai dit dans tout, c'est vrai dans toute chose. أُمَّةٌ وَسَطْ فِي الْعَقِيدَ. فِي الْعَقِيدَ أُمَّةٌ وَسَطْ. Alors, pour déterminer le milieu d'une chose, il faut connaître les deux extrémités. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas déterminer le milieu d'un segment d'un droit. Quels sont les deux extrêmes que l'islam est venu pour justement pour être au milieu? Alors, l'aqida, il y a deux extrêmes. Al-inkar, inkar Allah Azza wa Jal. Dieu n'existe pas. Ça, c'est l'extrême. Une extrémité. L'autre extrémité, c'est quoi? C'est pas Dieu n'existe pas, d'autre extrémité, c'est vrai, mais l'autre extrémité, il y a plusieurs dieux. Ismuhu al-shirk. J'ai à l'islam, l'islam dit, c'est pas la négation de Dieu, et ce n'est pas la pluralité de plusieurs dieux non plus. La ilaha illallah. Wasat. C'est le milieu de la chose. وسط في العقيدة
وسط في الأخلاق، وسط في التشريع، milieu dans tout dans la législation، milieu dans l'adoration، حتى العبادة فيها وسط. نعم. أيضا العلماء والباحثون أيضا درسوا وقالوا حتى الكعبة جاية في وسط الكرة الأرضية. Donc quand Allah a choisi Kaaba comme notre qibla, c'est parce que le Kaaba c'est le milieu et le centre de la terre. Aujourd'hui, plusieurs études, effectivement, plusieurs chercheurs ont bien démontré par des calculs astronomiques que le Kaaba c'est le centre de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, même Kaaba comme il y a les musulmans, même votre qibla, elle se trouve au milieu aussi de la terre sur laquelle vous allez mener votre vie. لذلك هنا سر. On veut savoir pourquoi كانت الكعبة بيت المقدس هو الأول والكعبة هي الثانية القبلة الثانية au départ. هذا سر. C'est quoi le but? Pourquoi Rabbi tu as fait ça? Écoutez ce que l'a dit Allah Azza wa Jal. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Voilà ce que j'ai fait. Juste pourquoi? قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أو كما قال المولى عز وجل. Nous n'avons fixé la direction de prière sur laquelle tu étais que, voilà le but. Rabbi, pourquoi tu as fait ça? قال que, effectivement, que pour savoir ceux qui suivraient le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ceux qui vont tomber dans l'apostasie. L'apostasie, effectivement. Bien que cela fût une chose très difficile, sauf pour ceux que Dieu les a guidés. Allah, nullement de nature à vous perdre vos prières, car Allah subhanahu wa ta'ala, certes, et compatissant. Allah Azza wa Jal, certes miséricordieux pour l'humanité entière, Inch'Allah Azza wa Jal. Alors vous savez très bien maintenant, le but, c'est pour tester les musulmans, qui va obéir, qui va écouter, qui va suivre le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce qu'Allah, il prépare la communauté musulmane vers un travail énorme, un travail magnifique, c'est quoi? Fonder le premier État musulman à Médine. Et on ne peut pas fonder cet État-là si on est dispersé. On ne peut pas le faire si on n'est pas uni. Donc c'est pour savoir qui va suivre le prophète et qui ne va pas le suivre. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رجب شعبان بينتو رمضان. Deux mois, trois mois, presque le mois de Ramadan, c'est le troisième. Le prophète se prépare. C'est Allah qui le prépare. Par des événements, pour avoir le rang bien droit, pour avoir le rang bien uni. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان كان يصوم. Donc, nous, on fait partie de sa communauté. Je pense que vous avez commencé à faire le jeûne le 13, le 14, le 15, ces jours-ci. À partir de demain, on pouvait faire une bonne semaine de, inshallah ta'ala, une bonne semaine de jeûne magnifique. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه كانوا يصومون. كان يصوم صلى الله عليه وسلم حتى يقال إنه لا يفطر ثم يفطر أياما تطول حتى يقال إنه لا يصوم. Maximum, il fait beaucoup de jeûne maximum dans ce mois. Mais il n'a jamais fait le mois de شعبان dans sa totalité. وعمره ما صام شعبان كامل. الشهر الوحيد الذي يصومه كاملا هو رمضان.
Le seul mois qu'il achève en entier, c'est le mois de Ramadan. وكان أكثر ما يصوم في شعبان كان صلى الله عليه وسلم il jeûnait beaucoup dans ce mois. بل في بعض الروايات كان يصوم كله في وهذا غير صحيح. إنه ما استكمل صيام شهر قط غير رمضان صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله كان يصوم. وروى أسامة ابن زيد رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان زيد بن لودي ابن زيد pourquoi رسول الله on te voit jeûner beaucoup pendant ce mois de شعبان يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأريد أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم donc le prophète c'est vrai il jeûnait ce mois beaucoup de jours dans ce mois فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعدنا كما يستعده فالصوم يقرب العبد من الله عز وجل ويجعله أهل للاستجابة لدعوته وقبول عمله إن شاء الله. Donc c'est une préparation. Alors une préparation à quoi? Les chansons ont fait chabal. Pourquoi on jeûne dans ce mois-ci? Se préparer pour? Est-ce que c'est pour préparer le physique? C'est pour préparer le بدن هذا؟ نعود نبدأ ونعود فيه. On le prépare à jeûner, à jeûner, à jeûner. C'est ça? Pour se préparer au mois de mois de Ramadan? Non. Et Inch'Allah, bientôt, peut-être la semaine prochaine, on va en parler avant que le mois de Ramadan arrive. Quel type de jeûne? Chnou al-siyam al-mishutsumu. Al-siyam anwa'. Le jeûne, il y a plusieurs catégories de jeûne. On jeûne ne pas boire, ne pas manger, ne pas avoir un rapport intime avec sa femme. Ça, c'est un type de jeûne. Oui. Jeûner, il y a, comme disait l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, ce premier jeûne, le simple musulman, il fait ça. Mais il y a autre type de jeûne, plus élevé, plus valable, plus de hasanat. C'est quoi? Qala hadha. الذين تصوم حواسهم ما يكذبش لول يكذب وهذا ما يكذبش تصوم عيناه son regard fait attention à son regard le premier fait pas attention à son regard à sa langue le deuxième catégorie fait attention le deuxième fait pas le premier fait pas hein? après يده لسانه عين أذنه son oui il jeûne aussi La vue jeûne, la langue va jeûner aussi. Alors maintenant, c'est à vous de choisir, chers frères et chères sœurs. Quel type de jeûne vous allez choisir? Je suis sûr que vous allez choisir le deuxième. Et la troisième catégorie de jeûne, c'est quoi? قال هذا تصوم قلوبهم. صح, تصوم الحواس. تصوم الجوارح أولا, الحواس ثانيا. قال تصوم قلوبهم. عم تشحق في قلبه. N'a pas de haine dans son cœur. هذا صوم قال صوم خلاص الخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يصومون صياما مقبولا عند الله عز وجل. اللهم ربنا اجعلنا من الذين تصوم حواسهم وعقيدتهم وإيمانهم وقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم يا رب العالمين. Chers frères, il y a des frères parmi nous me demandent des dua pour leurs proches. Pour leurs très proches qui sont malades, d'autres qui sont morts et ont décédé, Allah subhanahu wa ta'ala, yataghammadhum bi rahmatih, inshallah ta'ala. Après la prière de Jumu'ah, il y a une salat al-janazah pour vous mettre au courant, inshallah.
On fait des doua pour tout le monde, inshallah. Allahumma rabbana ighfir lana warhamna wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana thabbitna 'ala al-iman. Allahumma rabbana la tanza' al-qulub min qulubina al-iman abadan abada. Ya rabbi habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusukha wal-'asyan waj'alna min ar-rashidin ya rabbal 'alamin. Allahumma rabbana inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qulubana wa tuzakki biha a'malana wa tuslih lana biha amrana ya arhamar rahimin ya rabbal 'alamin. Allahumma rabbana ishfi mardana wa mardha al-muslimin أجمعين. يا ربي اشفي مرضانا ومرضى كل من وصانا بالدعاء يا رب العالمين. اللهم اشفهم وعاف من كل بلاء. اللهم أعجل بشفائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لهم شفاء عاجلا تاما تاما يا رب العالمين. اللهم ارحمنا وارحم موتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا ربي بلغنا رمضان يا كريم. اللهم ربنا بارك لنا في هذا الشهر العظيم شهر شعبان ورب بلغنا اللهم رمضان يا رب العالمين واجعلنا من صائمه يا رب العالمين واجعلنا من الذين يصومونه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا واهدنا وراجع بنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. اللهم ربنا بلغ سلامنا إلى عزيز قلوبنا سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم عليه في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه ما دامت السماوات والأرض إلى يوم الدين. يا رب صل وسلم عليه صلاة وسلاما بدون حد وبدون حد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم يخلقكم في بطون
أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك ربنا رحمتي سبحان رحمتي سبحان ربنا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة على الجنازة وهو رجل سجد نوم أشهد أن
في النار. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى لكمال ملكوته وتمام ربوبيته وعظيم سلطانه يجري على خلقه ما شاء من أنواع الابتلاء. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قد ينزل الله عز وجل بهم بلاء ثم يطيل ذلك البلاء، فإن الله تبارك وتعالى أطال بلاءه بأشرف خلقه الذين هم الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ فهذا أيوب عليه الصلاة والسلام نزل به البلاء حتى فقد المال والولد والمجد والتلد، وأظناه حتى جار إلى ربه سبحانه وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكانت مدة بلائه عليه الصلاة والسلام 18 عاما. وابتلي يعقوب عليه الصلاة والسلام بفقد ابنه يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن، وقال: يا آسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وكانت مدة بلائه في فقد ابنه يوسف 40 سنة. نعم، 40 سنة، وقيل 80 سنة. Chers musulmans, sachez qu'Allah Azza wa Jal vous fasse miséricorde, qu'Allah, exalté soit-il, de par la perfection de sa création, de sa seigneurie totale et de sa toute-puissance, il peut sorte d'épreuve. Allah nous dit ce qui signifie: nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. Et Allah Azza wa Jal, au cours de cette épreuve, il peut très bien prolonger. Et si Allah Azza wa Jal a prolongé l'épreuve des meilleures créatures, c'est-à-dire les prophètes, qu'en est-il des autres créatures? Prenons deux exemples. Alayhi salam, Job, il fut éprouvé. Il fut éprouvé par la maladie, au point de perdre ses biens et sa famille. Il était tellement affaibli qu'il implora Allah Azza wa Jalla en ces termes: le mal m'a touché et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Et on dit que ce malheur a duré. De même, Yaqub alayhi salam, il fut éprouvé par la perte de son fils Joseph, Youssef, et cela le plongea dans une profonde tristesse. Et Allah nous relate cela dans le Coran en disant ce qui signifie: et il se détourna d'eux et dit: que mon chagrin est grand pour Youssef. Et ses yeux franchirent d'affliction et il était accablé. Et on dit que son épreuve, elle a duré combien de temps? Pendant combien de temps son enfant? Et vous qui, beaucoup parmi vous, êtes père ou mère de famille, Allah nous en préserve. On dit que pendant 40 ans, et aujourd'hui, nous vivons une épreuve, l'épreuve qu'on a vécue, c'est qui dure, et moi, le premier, on a tendance à se plaindre. On n'est pas si peut-être difficile. Alors certes, certains parmi nous diront: mais eux, ce sont des prophètes.
Mais aujourd'hui, il y a des musulmans qui souffrent. Est-ce que vous savez qu'il y a plus d'un million, c'est les chiffres de l'ONU, un million de Ouïghours qui ont été dans des camps d'internement? Plus d'un million. Est-ce que vous savez qu'un des plus grands camps de réfugiés, où il y a plus de 600 000 personnes et essentiellement civils, ce sont des Rohingyas qui ont été chassés de Birmanie et qu'on ne veut pas accueillir non plus au Bangladesh, qui est déjà un pays et qui sont apatrides, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de passeport, ils ne peuvent pas voyager comme vous et moi. Est-ce que vous savez que une des pires crises humanitaires au monde se situe actuellement au Yémen, où des enfants meurent de faim? Est-ce que vous savez également que depuis des dizaines d'années en Afghanistan, en Irak, il y a des guerres qui ne finissent pas et la population est éprouvée? Des gens qui sortent et qui ne savent pas ce qui va leur arriver? Et je ne parle pas plus récemment des pays comme la Syrie, la Libye, etc., etc. Et les exemples sont nombreux. Je ne parle même pas des réfugiés qui traversent l'Afrique. Combien sont morts en Méditerranée? Combien sont morts au Sahara? Même certains sont conduits encore aujourd'hui au XXIe siècle à être des esclaves. Et je ne vous parle même pas des réfugiés palestiniens depuis 1948 qui sont dans des camps de réfugiés. Et donc certains n'ont jamais rien connu d'autre que cela. Et la liste, elle est longue. Allahumma aslih ahwal al-muslimin. Allahumma amin. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Anzuru ila man huwa asfala minkum. Regardez ceux qui ont moins que vous. Alors nous, c'est peut-être difficile le coronavirus, mais la plupart d'entre nous, on a un toit où s'abriter, on a où manger. Quand il pleut, on est protégé de la pluie. Quand on a froid, on a un chauffage. Si on est mouillé, on change de vêtements. Si on veut, on prend une douche. Si on a froid, on boit une soupe ou un thé ou un café. Donc quand on regarde les autres qui souffrent sur terre, cela permet d'atténuer la difficulté de notre épreuve. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yutilu bil khalqi naw'an min anwa'i al-bala' lima fi dhalika min manafi'i 'azima wa min jumlati tilka al-manafi' idhharu quwwati Allah subhanahu wa ta'ala litatakhallas qulub al-khalqi min al-intifati ila kulli qawiyyin siwahu subhanahu wa ta'ala wa minha aydhan qam'u tughyan al-insan wa idhharu dha'fi. قال سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وكان هذا مثلا لأهل الجاهلية الذين يدركون معنى الذباب ولا يدركوا الحقائق الفيروسات. فاليوم يبتلى الناس بفيروس لا يرونه وهم لا يسلبهم ما يسلبهم الذباب بل يسلبهم قواهم وصحتهم فربما أضناهم المرض وربما كان سببا لوفاتهم. ليعلم الإنسان عجزه وضعفه وعدم قدرته على مجاراة ربه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أن يرجع العبد إلى ربه بإظهار أنواع العبوديات التي لا تظهر منه في غير مدة إطالة البلاء. وقد صار مضروبا من المثل صبر أيوب ويعقوب عليهما الصلاة والسلام. فهذا أمور عظيمة من المنافع الجليلة التي تظهر في تطويل البلاء. Comme je vous le disais, Allah Azza wa Jalla, par sa sagesse, il peut décider de prolonger nos épreuves. Et parce qu'il y a en réalité pour celui qui médite et qui réfléchit, il y a en cela des bienfaits et des avantages. Et on va en citer rapidement. Parmi les bienfaits de cela, donc la prolongation de l'épreuve, c'est que ça devient une manifestation éclatante de la puissance divine. Allah Azza wa Jalla nous montre sa toute puissance afin que nos cœurs, ils se détournent définitivement de d'autres puissances, autre puissance que la sienne. Afin que chacun y soit persuadé et convaincu, pas seulement avec sa langue, mais au plus profond de lui-même, qu'il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui est capable de toute chose. Parmi les bienfaits également de l'allongement des épreuves, c'est cela permet de réfréner, de diminuer, de contenir la tyrannie et l'oppression de l'homme et de faire apparaître sa grande faiblesse. Allah Azza wa Jalla nous dit: prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Dès que l'homme il pense qu'il peut se suffire à lui-même, alors il commence à désobéir. Et aujourd'hui, nous vivons une époque où nous sommes très avancés technologiquement et inconsciemment, on a l'impression que notre époque, elle a la solution à tous les problèmes, qu'au niveau médical, nous sommes à la pointe de la technologie.
regardez, cette épreuve nous montre que l'être humain, il reste faible. Allah Azza wa Jalla s'adresse aux Quraysh dans le Coran et il les modifie. Et il leur dit ce qui signifie. Au comme une parabole, une image vous est proposée. Écoutez-la. Écoutez-la attentivement. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne seraient même pas créés une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche, elle est dépouillée de quelque chose, il ne saurait lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Cet exemple a été donné aux Quraysh parce qu'eux, ils savaient et ils comprenaient ce qu'était une mouche. Mais ils ne savaient pas ce qu'était un virus invisible à l'œil nu, comme le corona. Aujourd'hui, nous sommes éprouvés par ce virus invisible à l'œil nu et ce virus ne nous dépouille pas de la même façon qu'une mouche, mais ce virus va nous toucher dans notre santé, dans notre force physique. On demande d'ailleurs à Allah Azza wa Jal de guérir tous nos malades. Allahumma amin. Et le virus, il va affaiblir par la maladie au point même où il est devenu la cause de nombreux décès. Afanillah wa iyyakum. Tout cela pourquoi ? Pour que chacun d'entre nous se rappelle que nous sommes faibles, que nous sommes limités et que nous pouvons nous opposer à notre Seigneur. Enfin, le dernier bienfait que j'évoquerai avec vous aujourd'hui, c'est la suite logique. Si tu es conscient qu'Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui est le Tout-Puissant, premièrement. Si tu es conscient que toi tu es faible, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Il te reste qu'à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. À multiplier tes adorations et en particulier les adorations qui vont émaner du serviteur que lorsqu'il est au pied du mur. Parce qu'on est comme ça, on invoque et on fait la prière tous les jours. Mais combien de fois nos invocations, elles n'ont pas vraiment de ferveur, elles n'ont pas d'âme. Parfois c'est que lorsque tu vas être éprouvé, que parce que tu vas voir ta mère qui est à l'hôpital, car là il vous en préserve, ou tu es très malade, là tu vas invoquer avec beaucoup de sincérité. C'est quand l'épreuve se prolonge que tu vas aller au plus profond de toi-même, chercher dans ton cœur cette sincérité, cet amour et cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc parmi les leçons de cette épreuve du coronavirus, c'est que chacun, il doit sortir au plus profond de lui-même cette ferveur, cet amour d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'invoquer, de patienter et de multiplier les bonnes œuvres. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا في كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اعلموا رحمكم الله ان الله سبحانه وتعالى بلغكم شعبان. والى هذا الشهر الكامن بين يدي رمضان موسم للعمل الصالح وأعظمه الصيام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. أخرجه البخاري ومسلم. فصيام شعبان ورمضان بمنزلة النافلة الراتبة بين يدي الصلاة المفروضة. وإن العبد إذا تقدم إلى صلاة الفرض فصلى الراتبة النافلة بين يديها قويت نفسه على الفرض وتهيأت له وانتفعت به أعظم الانتفاع. وكذلك يكون في صيام شهر شعبان بين يديه شهر رمضان. فمن استكثر من صيام شهر شعبان تهيأت نفسه وقويت روحه استعدادا لصيام الفرض في رمضان. وآكد الصيام فيه من كان عليه قضاء. من كان عليه قضاء ولا يجوز للعبد أن يؤخر ما عليه من رمضان المتقدم حتى يدخل رمضان القادم فإن ذلك عليه محرم. واعلموا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منه. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. رواه البخاري. أي إذا اعتاد أيام وافقت ما قبل رمضان بيوم أو يومين كمن عادته صيام الاثنين والخميس على سبيل المثال فوافق ذلك آخر شعبان فلا بأس أن يصوم. فصوموا من شعبان قدر وسعكم وقرنوا صيامكم فيه بقراءة القرآن. فقد كان مشهورا
عند التابعين تسميتهم شهر شعبان بشهر القراء، ذلك أنهم يستعدون فيه لشهر القرآن الذي هو رمضان. شهر زلمان sachez qu'Allah عز وجل nous a permis d'atteindre le mois de Sha'ban, ce mois qui précède le Ramadan et qui est en réalité une occasion d'y accomplir des bonnes œuvres, et en particulier le jeûne sur les rogatoires. En effet, Aïcha nous dit: je n'ai jamais vu jeûner autant le messager d'Allah, de manière facultative, au cours d'un mois, comme il jeûnait au cours du mois de Sha'ban. En réalité, le jeûne de Sha'ban et de Ramadan sont comparables à la prière sur le rogatoire qu'on appelle Ar-Ratiba. Ar-Ratiba, c'est la prière sur le rogatoire qui est liée à la prière obligatoire. Ce sont les rak'at que l'on fait, par exemple, avant le Dhuhr ou après le Dhuhr, ou les deux rak'at que l'on fait après le Maghrib ou après l'Isha. Elles sont liées, ces prières sur le rogatoire, elles sont liées à la prière obligatoire. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'elles constituent une préparation. Celui qui va prier ses prières sur le rogatoire, alors il va se préparer spirituellement, et quand il va faire la prière obligatoire, alors il sera concentré. C'est différent de celui qui vient et qui prie tout de suite l'obligatoire. Il a plus de chances d'être déconcentré. De la même façon, le jeûne de Sha'ban, il constitue une préparation pour Ramadan. Et celui qui va jeûner le mois de Ramadan, il va se préparer spirituellement et il va se préparer également physiquement à la difficulté du jeûne. Donc c'est très important de comprendre cela. Le jeûne le plus important durant le mois de Sha'ban, ça consiste, c'est ce qu'on appelle le qada. C'est pour celui qui a des jours à rattraper du Ramadan précédent. Parce qu'en effet, il n'est pas permis aux croyants ou à la croyante de retarder le rattrapage des jours manqués jusqu'au Ramadan suivant. Donc celui qui a encore des jours à rattraper, alors il se doit de se précipiter et de les rattraper avant que le Ramadan n'arrive. C'est le dernier mois Sha'ban pour rattraper les jours manqués du Ramadan. Sachez également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jeûner certains jours de Sha'ban. Il a dit, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, ne jeûnez pas un jour ou deux juste avant le début du Ramadan. Mais si l'un d'entre vous a l'habitude de le faire, alors il peut la maintenir, c'est-à-dire maintenir cette habitude. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ce hadith? Ce hadith, il mentionne la permission de jeûner les derniers jours du Ramadan uniquement si cela coïncide avec un jour que tu as l'habitude de jeûner. Celui qui jeûne parmi vous tout le temps le lundi et jeudi, si deux jours avant Ramadan c'est un lundi et il décide de jeûner, il n'y a pas de mal. Par contre, celui qui ne jeûne jamais, alors les deux derniers jours avant Ramadan, il ne doit pas jeûner, hein, il ne doit pas jeûner ces jours-là. Également, en plus du jeûne, il y a une action qui est très importante à mettre en pratique dès maintenant. Ce que j'aimerais que chacun d'entre vous nous comprenne, c'est que le Ramadan en réalité a déjà commencé. Certes, le mois de Ramadan n'est pas encore rentré, mais qu'est-ce qui a commencé? Sa préparation. De la même façon que personne parmi vous ne va attendre le 1er juillet pour se dire: est-ce que je vais en vacances? Il n'y a personne qui ferait ça. Et si vous allez voir votre épouse et vous lui dites: on est le 1er juillet, on fait quoi? On va en vacances? Et votre épouse, elle va dire: mais toi, tu te réveilles maintenant? C'est pas maintenant qu'il faut se réveiller. Ça y est, ça coûte trop cher le billet d'avion maintenant. Le printemps, ça coûte trop cher. C'est au mois de janvier, février, mars qu'il faut se réveiller. De la même façon, celui qui attend le mois de Ramadan pour se préparer spirituellement, et je ne parle pas ici de la préparation avec de la nourriture, parce qu'il y a des gens qui se préparent. Ils se préparent qu'avec du miel, de la farine, des pâtes, du riz. Ça aussi, on peut se préparer, mais c'est pas ça le plus important. La vraie préparation, c'est la préparation spirituelle. Et donc, il faut accompagner cela de quelle action? De la lecture du Coran. Et il est connu que la génération des élèves, des compagnons, tabi'un, ils avaient l'habitude d'appeler le mois de Sha'ban Shahr al-Qurra, le mois des récitateurs. Pourquoi? Parce que les commerçants, ils fermaient leurs boutiques et les gens, ils commençaient à lire, à prendre le mushaf et à lire le Coran en prévision du mois du Coran, qui est le mois de Ramadan. Enfin, pour terminer rapidement, puisque les 15 derniers jours de Sha'ban, peut-être que vous avez déjà entendu, et peut-être que ça a même déjà été dit sur ce minbar, c'est une question qui fait l'objet de divergences. Certains disent que les 15 derniers jours de Sha'ban, on ne doit plus jeûner. Donc ça, c'est une divergence qui existe. Il n'y a pas de, comme ça existe dans le fiqh, il n'y a pas lieu de polémiquer par rapport à ça, mais je veux juste préciser certaines choses pour peut-être vous rassurer. Effectivement, il y a un avis qui se base sur un hadith qui dit « إِذَا تَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا » Si cesser de jeûner dès la moitié de Sha'ban,
Il y a donc des savants, se basant sur ce hadith, qui ont dit passer le 15 de Sha'ban, il ne faut plus jeûner. Pour quelle raison? Pour ne pas se fatiguer pour le mois de Ramadan. Et ça, c'est un avis qu'on va voir qui est peu suivi chez les savants. La majorité des savants, ils ne prennent pas en considération ce hadith parce qu'ils disent que ce hadith, il est bon car c'est un hadith sur lequel on ne peut pas s'appuyer parce qu'il est en contradiction avec les autres hadiths que je vous ai cités justement. Par conséquent, on peut jeûner tout le mois de Sha'ban et c'est l'avis qui me semble le plus pertinent. C'est pour cela que je voulais citer. Enfin, il y a un avis intermédiaire qui est bien également, qui, où les savants, ils ont essayé de donner une compréhension de l'ensemble des hadiths et ils ont dit celui qui a jeûné le début de Sha'ban, alors il peut jeûner la fin de Sha'ban. Mais celui qui n'a pas du tout jeûné le début de Sha'ban, qu'il ne jeûne pas la deuxième moitié, sinon il risque de se fatiguer pour le mois de Ramadan. Quoi qu'il en soit, demain, dimanche et lundi, nous serons le 13e, 14e et 15e jour de Sha'ban et ce sont les jours blancs, les jours de pleine lune où il est bien de jeûner. Donc je vous invite, pour ceux qui ne voudraient pas jeûner les 15 derniers jours, de jeûner ces trois jours-là, demain, après-demain et lundi, afin d'avoir quand même un petit peu de récompense liée à ce mois-là. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma a'inna fihi 'ala as-siyam wal-qiyam wa anwa'i al-birr wal-ihsan, Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha, Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم كن لهم عونا ونصيرا واتهم من لدنك سلطانا نصيرا يا رحيم كن بهم رحيما يا لطيف كن بهم لطيفا ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتقبل شهداءهم يا سميع الدعاء يا أكرم الأكرمين اللهم ألف على الخير قلوبنا اللهم ألف على الخير قلوبنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
إن الحمد لله الذي أبدع ما أوجد وأتقن ما صنع، وكل شيء لجبروته ذل ولعظمته خضع. سبحانه وبحمده في رحمته الرجا وفي عفوه الطمع، وأثني عليه وأشكره، فكم من خير أفاض ومكروه دفع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى في مجده وتقدس، وفي خلقه تفرد وأبدع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل مقتدى به وأكمل متبع، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والتقى والورع، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ولنهج الحق لزم واتبع، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فالحياة يعقبها الممات، والأتراب يسلمنا للتراب. سبق القوم بكثرة الصلاة والصيام، هجروا لذيذ المنام، وغايتهم دار السلام. فالجد الجلد رحمكم الله من أجل أن تنغموا، والبدار البدار من قبل أن تندموا. واطرقوا في الدجى باب الرجا، الموت باب مورود والأجل غير مردود. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه،
فمنهم شقي وسعيد. إخواني وأخواتي، حديثنا اليوم عن ليلة النصف من شعبان التي انقسم الناس فيها إلى قسمين، فريق غلا فيها ورد في فريق غلا فيما ورد فيها من الفضائل والأحكام، وفريق جفا وأنكر عن فضل ليلتها ومزاياها. والصواب أيها الإخوة والأخوات أن ليلة النصف من شعبان ثبت من فضلها حديثان صحيحان ثابتان إلى المعصوم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. أما الأول فحديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه، أخرجه الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان أطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، رواه ابن حبان رحمه الله في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. إخواني وأخواتي، فهذان الحديثان الثابتان من كلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوضحان أن ليلة النصف من شعبان تتخصص بالمغفرة والغفران. Chers mères et sœurs, chers frères en islam, le sujet qu'on voudrait traiter et aborder avec vous aujourd'hui concerne la nuit du 15e Sha'ban, l'ami Sha'ban. Il y a toujours eu des divergences entre les ulama, entre les savants, concernant le statut de la 15e nuit du mois de Sha'ban. Il y a ceux qui conçoivent des idées erronées et des pratiques innovatrices, bid'at, à propos de cette nuit, lesquelles ne sont fondées sur aucun principe juridique. Et nous ajouterons qu'à travers les siècles, à travers les temps, beaucoup de choses infondées et même fabriquées ont été acceptées aveuglément concernant cette nuit. Et puis il y a ceux qui, malheureusement, réfutent et ignorent avec une ignorance exagérée sur l'authenticité ou dirons-nous l'authentification des vertus et des mérites que revêt cette nuit très particulière et très importante. Les deux hadiths authentiques, les plus authentiques concernant ce sujet, le premier hadith est rapporté par Sayyidina Abu Tha'laba radiyallahu ta'ala anhu. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا كانت ليلة النصف من شعبان أطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. Lorsque arrive la nuit de la mi-Sha'ban, Allah Ta'ala regarde l'ensemble de ses créatures, l'ensemble de ses serviteurs, et il pardonne aux croyants et donne du temps à ceux qui n'ont pas la foi. Mais Allah Subhanahu wa Ta'ala, également durant cette nuit, omet son pardon, retire son pardon
à ceux qui entretiennent entre eux de l'hostilité, de la rancœur, de l'animosité, jusqu'à ce que ces gens-là abandonnent cette pratique. Et le deuxième hadith, le hadith de Mu'az bin Jabal radiyallahu ta'ala, dans lequel Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو لمشاهن. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah se tourne vers ses serviteurs, vers ses créatures, avec un regard de clémence, avec un regard de miséricorde, durant la 15e nuit de Sha'ban, et décide d'accorder son pardon à toutes ces créatures, à tous ces serviteurs, à l'exception de deux personnes. Al-Mushrik, celui qui attribue un partenaire à Allah Azza wa Jal, l'associateur, le Mushrik. Et la deuxième personne, c'est qui ? Al-Mushahin, celui qui cause outrage, celui qui cause préjudice, celui qui fait du tort à qui ? À son frère, qui fait du tort à sa sœur. Donc, et si on regarde bien, mes chers frères, le contenu de ces deux hadiths, qui sont sahih, qui sont authentiques, eh bien, on va remarquer que le contenu de ce hadith montre que cette nuit précieuse, cette nuit bénie, qui est la nuit du mi-Sha'ban, Laylatul Nisf mi-Sha'ban, eh bien, c'est une nuit dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala promet son pardon. Allah subhanahu wa ta'ala promet sa maghfira. Allah subhanahu wa ta'ala promet son absolution de tous nos péchés, de tout acte qui fut à l'encontre de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers mères et sœurs, chers frères en islam, vous voyez, la séquence du mois de Sha'ban. Ayons une petite réflexion et on verra que le mois de Sha'ban qui se situe avant le mois de Ramadan, eh bien cette séquence-là, elle n'est pas, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui vient du hasard, que le mois de Sha'ban se trouve avant le mois de Ramadan. Non, mes chers frères. Pour deux raisons. La première raison, c'est que le mois de Sha'ban, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le stipule dans un hadith sahih, ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان بين رجب ورمضان وترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. On a vu ce hadith il y a quelques semaines de cela. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est un mois lequel malheureusement est peu considéré aux yeux des gens, se trouvant entre le mois de Rajab et Ramadan. Un mois dans lequel les œuvres des Bani Adam, les œuvres de l'humanité, les actions de l'humanité sont présentées devant Allah Azza wa Jal, sont plébiscités auprès d'Allah Azza wa Jal. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Et j'avoue, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'avoue aimer que mes actions soient présentées devant Allah Azza wa Jal ou plébiscitées devant Allah Azza wa Jal, et que je sois وَأَنَا صَائِمٌ, et que je sois en état de jeûne. Premier élément. Deuxième élément qu'on a vu avec les deux hadiths rapportés par Abu Tha'laba et Mu'az bin Jabal radiyallahu ta'ala, montrant que cette nuit, la nuit de Laylatul Nisf Sha'ban, c'est une nuit de pardon, une nuit d'amnistie. Donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut nous montrer, c'est que ce mois de Sha'ban, eh bien, c'est un prélude du mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban, c'est un muqaddama, une introduction du mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban
est, dirons-nous, un avant-goût du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que dans le mois de Sha'ban, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam exhortait le jeûne. Il se peut qu'il jeûnait durant tout le mois, comme le dit Sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha. Et quelquefois, c'était quelques jours du mois de Sha'ban. Et cela pourquoi? Pour préparer le mois de Ramadan, bien sûr. Pour donner un avant-goût du mois de Ramadan. Et, parce que dans le mois de Ramadan, on jeûne. Et dans ce mois de Sha'ban, il y a une nuit. Une nuit, Laylatul Nisfi Sha'ban. Dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala nous promet son pardon. Et rappelez-vous que dans le mois de Ramadan, il y a aussi une nuit. La nuit de Laylatul Qadr. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu al-Bukhari. Donc, ce mois de Sha'ban, il est un prélude pour le mois de Ramadan, une préparation pour le mois de Ramadan. Donc, avant que le mois de Ramadan arrive, Allah subhanahu wa ta'ala nous offre cette nuit. Pourquoi? Eh bien, cette nuit est une sorte de vidange, de nettoyage, une épuration qui va nous permettre de vider notre corps ou de vider notre spiritualité, notre mauvaise spiritualité, ou bien de vider nos comptes des mauvais péchés, d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, de recevoir l'amnistie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal, mes chers frères, il est prêt à pardonner. Il aime le pardon. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ces gens qui se tournent vers lui pour demander le pardon. Dans un hadith rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an, rawahu Muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bil-nahar liyatuba musi'un layl hatta tatlu'a ash-shams min maghribiha. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est Allah ta'ala tend sa main la nuit pour que se répand celui qui a péché la journée. Et Allah Azza wa Jal tend sa main la journée pour que se répande celui qui a péché la nuit. Et cela durera jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Hatta tatlu'a ash-shams min maghribiha. Alors vous savez, aujourd'hui, avant le mois de Ramadan arrive, il faut avoir ce système de purge. Il faut avoir ce système de purge. Parce que si on ne purge pas, vous pensez qu'on va bénéficier du nour du mois de Ramadan? Pensez-vous qu'on va bénéficier de la clémence qui va descendre en profusion durant le mois de Ramadan? Jamais, mes frères. Jamais. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous offre cette nuit. Pour faire cette vidange. Pour faire cette purge. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous pardonner. Il aime pardonner. Allah ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans la sourate Az-Zumar? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah Ta'ala, ceux qui comprennent l'arabe vont comprendre l'intensité de ce mot, l'ardeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala place dans ce mot. Ya ibadi, قل يا عبادي, oh mes bien-aimés serviteurs, vous qui vous êtes fait du mal, la taqnatu min rahmatillah. Qu'importe le nombre de péchés que tu as commis, qu'importe, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespère jamais de la rahma, de la clémence, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla.
Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah Ta'ala pardonne, il est prêt à pardonner. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est tout pardonneur, il est tout miséricordieux. Pour montrer vraiment cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Eh bien, je vous cite un hadith Qudsi. Et vous allez comprendre la magnitude, l'ampleur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Qudsi, rapporté par Imam al-Tirmidhi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que « Qala Allah azza wa jalla, ya bana Adam, innaka ma da'outani wa rajoutani, ghafartu laka minka wa la ubali. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت لي لا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى دي كأو بني آدم tant que tu m'invoqueras et tant que tu auras espoir en moi, je te pardonnerai et je ne m'en soucierai guère. Ô Bani Adam, si tes péchés peuvent, si tes péchés atteignent les cieux et tu viens vers moi me demander le pardon, eh bien, je te pardonnerai, je n'en tiendrai pas compte. Ô Bani Adam, ô toi, fils d'Adam, si tes péchés sont équivalents à la terre, remplissent la terre, et que tu viens, tu me rencontres, et que tu n'associes personne à moi, eh bien, sache que je te rencontrerai avec autant de pardon. C'est pour ça, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Man ya'mal su'an, aw yadhlim nafsahu, thumma yastaghfirillah, yajidillah ghafura rahima. » Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même et aussitôt implore Allah Azza wa Jal, eh bien trouvera Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur et tout miséricordieux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، إن أفضل الكلام كتاب الله، وخير إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، chers mères et sœurs, chers frères en islam, comme on l'a vu, Allah subhanahu wa ta'ala prend garant de nous combler de son pardon, de sa maghfira, de son amnistie, la nuit de la mi-Sha'ban. Et cette nuit de la mi-Sha'ban est l'opportunité pour chacun de nous, afin de profiter du mois de Ramadan, d'acquérir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Mais sachons, mes chers frères, que le pardon d'Allah Azza wa Jal, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pardonner, mais Allah subhanahu wa ta'ala à placer des conditions pour nous pardonner. Et surtout lorsque ces conditions concernent huququl ibad, les droits d'autrui. Oui, mes chers frères, oui, mes chères mères et sœurs, si on a fait du mal à autrui, si on a fait du mal à quelqu'un, et que cette personne a toujours cette rancœur dans son cœur, a toujours ce mal dans son cœur, cette animosité dans son cœur, parce que
cette personne est victime du mal que tu lui as fait. S'il ne te pardonne pas, même si tu te trouves devant la Kaaba, et même si tu te trouves devant, dans la nuit de Laylatul Qadr, et que tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner, tant que cette personne ne t'a pas pardonné, oublie. Celui à qui tu as fait du mal, s'il ne t'a pas pardonné, eh bien ton pardon ne sert à rien devant Allah Azza wa Jal. Oui, si tu as abandonné la salah, si tu as fait des péchés concernant entre toi et Allah, Allah Ta'ala va te pardonner. Mais si ces péchés, ce mal, est perpétré à des gens qui nous entourent, à nos familles, à nos frères, à nos voisins, qu'ils soient musulmans ou pas, et ces gens-là ne nous pardonnent pas, eh bien notre pardon ne sera jamais accepté aux yeux d'Allah. C'est pour ça que aujourd'hui, dès aujourd'hui, avant le mois de Ramadan, ayons ce qu'on appelle en anglais « clean sheet », une page blanche. Pourquoi ? Afin de bénéficier du nour du mois de Ramadan. Car si, chers frères, on ne se fait pas pardonner et qu'on attend le jour de Qiyama pour se faire pardonner, qu'est-ce qui va se passer ? Manil Muflis, demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez tous ce hadith. Qui est le ruiné, demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba dit, innal muflis ma la dirham lahu wa la mata'. Le ruiné, celui qui n'a rien. Il n'a pas d'argent, il n'a pas d'euros, il n'a pas de dollars, il n'a rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innal muflis min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. Le ruiné est celui qui viendra au jour de Qiyama avec des montagnes de salat, des montagnes de zakat, des montagnes de largesse, des montagnes de monde, des montagnes de hajj, des montagnes de umra, des montagnes de bonnes actions. Mais qu'est-ce qu'il a fait en retour ? Paradoxalement, il a blessé le cœur de quelqu'un. Il a médit sur quelqu'un. Il a frappé quelqu'un. Il a usurpé les biens de quelqu'un. Il a fait couler le sang de quelqu'un. Et qu'est-ce qui va se passer ? فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِ. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Et si elles ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on les lui inscrira à son actif. C'est pour ça, mes chers frères, avant le mois de Ramadan, si on a une certaine rancœur, ou bien on est en dispute avec quelqu'un, eh bien, réparons le mal dès maintenant, avant le mois de Ramadan. Et n'oubliez pas ce hadith, rapportez pas سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. Je vais terminer là-dessus. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. Celui qui se distance de son frère, qui se distance de sa sœur. Et aujourd'hui, combien d'entre nous, on est distancé de nos parents, on est distancé de nos frères, on est distancé de nos sœurs, on ne parle même pas aux membres de notre famille. Pour des histoires qui n'ont aucune valeur, pour des choses qui n'ont aucune valeur. Allons-nous profiter du mois de Ramadan ainsi ? Allons-nous profiter de cette nuit bénie qui va venir bientôt ? Allons-nous profiter des nuits du mois de Ramadan et des jours du mois de Ramadan ? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et qu'Allah ta'ala nous donne à nous tous le tawfiq de faire la paix. Faisons la paix avec tout le monde. Faisons la paix avec nos frères, nos sœurs. Qu'Allah ta'ala donne tous le tawfiq. Hala. إن الله عز وجل أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا على خلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم
وبقية الصحابة أجمعين أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح نساءنا، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى الإسلام مردا جميلا. إن الله عز وجل أمرنا بثلاث ونهانا بثلاث، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم واستقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوي وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوي يسألونك عن الساعة أيان مرسيها
فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشيها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها كذب الثمود بطغويها إذ انبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن. اللهم لا محالة.